ton âge. Habite encore chez sa mère. Où tu as appris à nager? Regarde-moi ça. Je sais pas nager, ce con. Tu fais gaffe, hein. C'est avec elle que j'emmène ma fille à l'église demain. Le dernier modèle. Attention, hein. Dora, bouge-toi, reste pas là. Dora, bouge-toi, tu sers à rien. Tout ce qui sert à rien, vous le jetez. Mais vous me touchez pas, on va pas. Non. Oh, ma chère, là. Mais bouge-toi, viens. J'arrive. Ça va? Bah ouais, super. Il y a un moteur, là. Vous êtes débile ou vous faites des économies d'essence? Marc, enfoiré. J'espère que les boissons te couvrent les couilles. Mademoiselle. Voyez pas que je parle, là. Pas trop de passage par ici. C'est votre voiture, ça? Ouais. Bon, bah, ok, bah, on y va. C'est loin, Ajaccio, là, parce qu'à cette vitesse... Vous êtes pressé? Oui. Mais attention! Vous allez finir par me porter la poisse. Allez, hop, faites, vous descendez. Non, mais moi, je vous ai rien demandé, donc vous m'emmenez comme prévu à Bonifacio, ok? Vous êtes vraiment chiante. Écoutez, je suis désolée, oui, je suis un peu énervée. Et vous faites quoi dans la vie? J'ai travaillé longtemps avec Cousteau. Maintenant, je répare des pétroliers éventrés. Vous savez ce que j'aime chez les gens riches? Leur solidité. Ça vous va bien, le luxe, hein? Ça va à tout le monde. Peut-être, mais c'est sexy. Allô, Jean? Non, c'est pas Jean. Je crois qu'il est parti se baigner. Mais c'est pas possible, il sait pas nager. Oh, Jean, qu'est-ce que tu fous avec ma voiture? Appelle de suite et avec une bonne excuse. Tout à l'heure, j'ai rêvé que je faisais l'amour dans votre voiture. Ah ouais, c'est marrant. Avec vous. Ça me rassure. J'aime pas que n'importe qui s'envoie en l'air dans ma voiture.